Bonjour à tous, ici Raven de la Team TK et aujourd'hui on va faire, je pense qu'on va commencer les quêtes Paragon. Je sais pas comment l'épisode va se construire, peut-être que je vais... C'est en vrai très bonne question parce que peut-être que je ferai pas... Parce que en fait dans la précédente vidéo j'avais fait le Rajang. Peut-être que je mettrai le Rajang après, je ne sais pas. Ça se trouve, ce que je dis n'a aucun sens. On va essayer de faire tout ce qui nous manque, en fait, en quête Paragon. Quête Paragon, on va faire tout ce qui nous manque. Le Bichatem, qu'est-ce qu'il craint déjà? Je crois qu'il craint la foudre, non? Ah non, il craint la glace. Oh oui. Bah tant mieux en vrai. Tant mieux. Du coup, on va faire ça assez rapidement. En fait, c'est surtout bah, pour avoir les quêtes de... Enfin, les... Comment dire, un peu l'histoire des persos. Vu que c'est un peu ce qui se passe, donc ce sera plus un épisode à part. Un véritable épisode. Donc là on a Dame Lushika. Dame Lushika qui a l'air d'être une berserker dans sa façon de faire. Il est où le phylloptère ici? Je sais jamais où il est. Il est là. Pouah, je me suis pris une pastèque. Enfin, c'est pas une pastèque, c'est plus une mangue. Ouais, alors le flash mon gars, bah je suis le seul à me mettre pris hein. C'est incroyable. Vas-y mange, prends les piranhas. On va aller chercher Anjanas. Si tu veux aller. Oh, est-ce que je viens de sérieusement confondre un Anjanas avec un Ludros? Ah ouais, ah ouais, bravo. Ça c'est parce que comme je suis un peu éloigné de l'écran, je vois pas forcément sur la minimap. Ce qui n'est pas une excuse vu qu'on a les icônes en haut à droite. Arrête avec tes mangues, ça sert à rien. Wow. Ça, au moins c'est fait. Oh bon, il dort. Ouf.
Oula, c'est quoi ça? Ça le calme de suite. Pour le pauvre. Non, non, tu feras rien. Il paraît que j'agis différemment. Oui, tu es un peu plus enjoué. Oh, paralifruit. Ah, c'est-à-dire que paralifruit, on l'a au rangé. Ok, pourquoi pas. Ça, c'est fort le paralifruit. Bah c'est pas mal hein. Bah du coup c'est quoi, c'est... Ok, classique. Presque en 5 minutes. Bien sûr, je vais pas vous laisser là avec juste 5 minutes, hein, faut pas exagérer. Merci du fond du cœur pour ton aide et cette poussée d'adrénaline, ça faisait bien longtemps. Peut-être qu'il n'y a rien de plus palpitant que d'affronter un monstre qui peut facilement vous décapiter. J'espère pouvoir compter sur ton aide si une autre quête devient disponible. Plusieurs arbalètes de l'ordre royal. Ah bah oui, bah du coup... J'aurais besoin de ton aide si tu n'es pas occupé. Quand mes collègues ont appris qu'on chassait ensemble, ils ont insisté plutôt fermement pour que je continue. Étrange. C'est peut-être dû à tes prouesses à la chasse. Je sais, j'ai encore beaucoup à apprendre. Aurais-tu l'amabilité de m'aider une fois de plus dans mon entraînement? Je t'en serai éternellement reconnaissant. Ah oui, oui, oui. Oui, oui. Oh, ça va. Alors, j'ai vu qu'il y avait des soldes. Ok, bon, bah, rien d'intéressant. Non.
c'est une de... C'est même pas une de niveau 4, c'est une de niveau 3. Ah ouais, une de niveau 3, ok. Bon, de toute façon, après... Du coup, c'est lui, si je me trompe pas. Ouais, parce que ça, c'est déjà tout fait. Donc ça, c'est pour le truc. Et ça, c'est pour... Ça, c'est pour Arlo, ok. Donc du coup, on va faire un truc avec Jay. Bon, pas avec une arme de glace, hein, bien évidemment, ce serait un peu déconvenu. Prendre la foudre. Légende vs novice. Est-ce que c'est lui qui se considère comme une légende? Il en serait bien capable, le pire. Ah, il squid qui arrive. Mince. Pas grave. Oh, dommage. Pas censé foirer un truc comme ça. Dommage, j'étais vraiment presque. Tranadon. Il est pas ouf le tétranadon à monter, mais bon, c'est pas grave, c'est... On l'aime bien quand même, quoi. Oh, Mickey! Oh, le chieur! Il a niqué mon combo, quoi. Ah oui, c'est vrai qu'elle fait ça. J'ai complètement oublié.
Oh shit. Ça. J'ai même pas vu avec quoi il jouait. Il jouait avec quoi? Ah, avec la Volto. Ouais, le fait qu'il joue avec la Volto, ça paraît logique aussi. Ça rajoute encore plus du lore au fait que ça soit Skaz, mais après. Ouais. Non, non, ah dommage. Le pauvre Vespoïde. Enfin non, c'est un Mabra, c'est pas un Vespoïde, c'est super important. Pensez me faire toucher. C'est ce que je cherchais depuis tout à l'heure. Oula, oula, oula. Oh! Je touche avec le petit bout. Ballot. Ah merde, purée, j'aurais dû prévoir que ça allait casser. On va aller chercher les... Ophioptère. Ah non, bah tout est cassé, parfait. Oula. Oh, je pensais avoir un peu plus de temps, mais pas du tout. Oh, je... Bon, ok. Ah, mais c'est une blague. Oh, oh oui, le coffre. C'est quoi? Dragonator. Ah oui, c'est bon ça, le Dragonator. En plus, ça fait vraiment tomber le monstre direct. C'est vraiment, ça cherche même pas à comprendre. Oh, quelle arnaque. C'est pas grave. Ah, je crois qu'il faut que j'en capture une. Donc on va se barrer. Parce que... Vu qu'il faut la capturer.
juste aller chercher mes. Mon piège. J'aurais dû y penser avant, mais bon, c'est pas grave. Ça change rien. On va peut-être pas oublier la queue quand même. Parce que j'étais parti pour l'oublier. Hein. Pas se plaindre, c'est toujours un objet qui peut être chiant à avoir, donc Ah parfait, je savais bien qu'il fallait en capturer une. Pour le Magna Malo, faudra faire pareil aussi. Défense, c'est pas mal aussi. Vu que ce sont des objets assez chiants à drop. Il y a encore des soldes. Dommage. Bah, je préfère avoir juste du bingo là-dessus que d'avoir jackpot. Je préfère avoir un jackpot sur des vrais trucs. Merci du coup de main, ces monstres avec, leurs attaques fourbes me mettent toujours une bonne raclée. Mais maintenant que j'ai observé ton style, je pense pouvoir m'en sortir tranquille. Grâce à toi, je serai bientôt aussi cool que l'amiral. Je vais encore pas mal m'entraîner, mais ça va le faire, t'inquiète. Oh non! Oh putain! Oh non, je dois... Alors j'ai un autre service à te demander, plein le dos de ces Bassarios. Je me fais toujours étriper quand je chasse ces trucs. Je me disais donc que si on chassait ensemble, je pourrais apprendre comment les maîtriser. La quête est prête, si tu m'aides, ouais, je ne l'oublierai jamais. Oups, ils sont deux dans la quête, je me suis un peu emballé. Tu m'aides quand même, pas vrai? Ouais. Nous pourrons répondre à la demande de la guilde concernant... Ah oui, la barrière, ouais, effectivement. Minel a reçu les plans pour l'équipement spécial, j'espère que vous en ferez bon usage. L'aide de la guilde est nécessaire pour nos recherches. J'espère compter de nouveau sur vous à l'avenir. Ok, et plan de l'érudit. Okay. Du coup, eh ben, on va s'arrêter là pour cet épisode de Monster Hunter Sunbreak. J'espère qu'il vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et en attendant la prochaine, je vous dis bonne chance.